utilise cet endroit pour pouvoir se rendre sur le bord de l'eau. On aimerait pouvoir y aller plus souvent en vélo, mais la plupart du temps, par peur, on utilise le véhicule pour pouvoir se rendre de l'autre côté. Je viens ici à chaque jour pas mal pour prendre le train et me rendre au centre-ville. Je me sens pas du tout en sécurité, peu importe de quel coin de rue on traverse, parce qu'il manque de signalisation, donc pas de place vraiment pour les piétons. Au niveau des cyclistes, la situation actuelle est infernale. On a empiré la situation, entre autres en mettant une double bretelle d'accélération vers l'autoroute. Actuellement, la seule façon sécuritaire pour un cycliste de traverser, c'est d'utiliser le trottoir. Quand on appuie sur le bouton de passage, le temps est assez réduit d'environ 10 secondes. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, donc on ne peut pas vraiment se rendre en 10 secondes à côté du vélo. Puis par la suite, passer en dessous du viaduc, si mon conjoint vient avec la remorque à vélo, il ne peut pas passer là. J'ai appris qu'on pouvait remplir un guide et informer la ville. Puis c'est à ce moment-là que j'ai senti que je pouvais faire une différence et changer les choses. Identifier le lieu, prendre des photos, regarder les gens, poser des questions aux gens qui traversent. Pour moi, c'est important d'agir parce que je veux que ça soit sécuritaire et qu'on ait du plaisir. Je sens que j'ai fait une différence, mais je sais que ça ne va pas changer du jour au lendemain, comme c'est une situation assez complexe. Je pense qu'agir, c'est aussi facile que faire un appel à la bonne personne. On est capable de faire changer les choses, en autant qu'on soit assez nombreux et assez actifs pour faire parvenir le message.